Les campements qui sont toujours en place sur le campus de l'Université McGill, la demande d'injonction qui a été rejetée hier, les manifestants qui entendent rester, même si l'Université continue de demander le démantèlement du campement. J'en discute donc avec Patrick Taillon, qui est professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval. Bonjour, M. Taillon. Bonjour. D'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la Cour supérieure a rejeté la demande d'injonction? Il y a plusieurs raisons, mais s'il y en avait une qui n'est pas très juridique, je dirais parce que l'Université McGill n'a pas vraiment pesé très, très fort dans le débat pour soutenir cette demande d'injonction-là. Donc, on avait quelques étudiants, des partis privés qui alléguaient une menace, un risque pour leur sécurité sur le campus. On a une analyse provisoire, ça veut dire en attendant un débat plus approfondi, qui est menée. Puis dans ce contexte-là, bien, l'Université McGill, elle reste un petit peu sur la touche et c'est mentionné à plusieurs reprises dans le raisonnement, c'est-à-dire à ce moment-ci, pour le moment, on voit que les activités de l'Université McGill fonctionnent. À ce moment-ci, il n'y a pas encore d'atteinte à la sécurité. Donc, on insiste beaucoup sur la dimension contextuelle de la décision et dans le doute, le droit constitutionnel d'exprimer, de manifester la liberté d'expression a été privilégiée par la juge Chantal Masse sur les autres préoccupations d'ordre public qui étaient peut-être pas soutenues par une preuve si convaincante que ça, du moins aux yeux de la juge Chantal Masse. Donc, on n'a pas réussi à démontrer l'urgence, le danger réel sur place pour l'instant. Du moment où on accède encore au pavillon, du moment où les rares cours, parce que bon, on est un peu au début de la session d'été, peuvent continuer à avoir lieu. Disons que c'est une question de balance, là, et ça a balancé davantage du côté des manifestants. Est-ce que ça veut dire, ça, quand on dit pour l'instant, qu'on pourrait éventuellement refaire une autre demande d'injonction si jamais la situation change et que cette fois-ci, ça pourrait être accepté? Oui, mais je pense que pourrait changer la donne, c'est l'attitude de l'Université McGill. C'est elle qui a le plus d'informations, le plus de preuves pour être en mesure de démontrer là, que il y a des dérapages, s'il y en a. Et donc, je pense que cette initiative qui venait de gens certainement bien intentionnés, mais qui n'avaient peut-être pas les mêmes moyens que l'Université McGill pour plaider leur cause, pour le moment, ça va être... cette question est résolue pour le moment. Et c'est souvent, par contre, il ne faut pas se le cacher, ce sont des injonctions provisoires. Donc, on demande provisoirement, en attendant le vrai procès, de trancher une question. Mais la plupart du temps, le provisoire devient définitif parce que, il faut l'espérer. Autant, c'est important, la liberté de manifester. Normalement, une manifestation, ça ne dure pas toute l'éternité. Et donc, normalement, on ne se rend pas au vrai débat dans ces affaires-là. Et donc, le remède, la solution provisoire devient de facto, souvent, la solution définitive. La juge a quand même invité les manifestants à mieux choisir leurs mots, à éviter des propos antisémites, à éviter la violence également, et a décrété aussi, en est arrivé à la conclusion que les manifestants occupaient illégalement les lieux en n'y campant pas. Dans le contexte actuel, c'est quoi la légitimité de la police d'intervenir? Parce qu'on sait que l'université demande toujours à la police d'intervenir. Est-ce que les manifestants ont à craindre, justement, d'être délogés malgré tout par les policiers? Oui, La décision de la juge Chantal Masse n'est pas la confirmation d'un droit absolu de manifester et de déranger illimité. Là. Et quelqu'un si les manifestants en font une lecture froide, ils y trouveront un petit guide sur quoi faire et ne pas faire pour s'ils veulent continuer plus longtemps la manifestation. Sur le plan du message, la liberté d'expression s'accommode pas mal de tous les contenus. C'est pas vraiment ça l'enjeu. Il faut vraiment... la barre est très haute pour arriver vers de la propagande haineuse. C'est plutôt dans l'utilisation des lieux. Ça, la jurisprudence est plus favorable à des limites. Et là, on est dans un lieu public, mais qui quand même est destiné à certaines choses précises. Faut pas que les manifestants nuisent de façon trop radicale à ce... À la véritable destination des lieux. Et ça, pour ça implique, de la part des manifestants,
une certaine modération dans la manière de s'exprimer, même s'ils ont le droit de porter le message qui est le leur, la façon de l'exprimer dans le respect des droits des autres est fondamentale ici. Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval, merci beaucoup, très éclairant. Bonne journée. Merci à vous.